Remettre à ça autour de la table.
Dès lors qu'il a aujourd'hui
un peu, il restera un peu. Ça ne change pas grand. Il mobilise toute la lignée. Aujourd'hui, vous avez vu les élections qui se sont succédées. Nous avons vu l'UFDG avec du succès partout la lignée. Il y a beaucoup de sous-préfectures où on n'a pas dans le bureau. Et on veut encore, dans la communication, créer un contexte pour dire non, si ce que vous n'avez pas le pouvoir, les États-Unis, ce n'est pas bon. Pourquoi vous avez accepté ce contexte? Il est le même, le leader de l'UFDG, qui a le souci de mobiliser toute la lignée, et il faut faire avec, ce sera non ça. Nous avons élaboré un projet de société. Beaucoup de militants ont adhéré à partir de ce projet de société. Aujourd'hui, l'appel que je lance, c'est de commencer à travailler sur la mise en œuvre du projet de société. Nous avons dans le projet de société, nous sommes en droite ligne de cette terre. Je vous prie, au niveau des comités locaux, au niveau des sections, au niveau des fédérations, au niveau du bureau collectif, le travail du jour, c'est la mise en œuvre de ce projet de société. Ainsi donc, nous ne sommes plus au moment où on travaillait pour l'implantation et l'organisation du parti, c'est déjà une très bonne chose, nous sommes loin dans ça. Ce que je vous demande, c'est d'accepter de comprendre que c'est pour rien, c'est maintenant. Ce n'est pas quand c'est de l'aller à installer la sécurité qu'on va se demander comment on va gérer ce pays. Lui, il va aller au pays. Nous avons dans le projet de société. Je vous prie, mettons-nous à l'œuvre, commençons maintenant la mise en œuvre de ce projet de société. Je vous remercie, je vous souhaite un bon retour. Je disais que la pluie allait encore nous déranger, et c'est pourquoi je vais demander à la salle de s'occuper de cette salle et